What do you think banks need to do to improve the penetration of banking across Africa and from your perspective? On voit qu'il y a une certaine hétérogénéité dans le développement des innovations numériques financières. Les pays où les systèmes financiers et infrastructures numériques sont plus matures connaissent plus d'innovations dans les services financiers avancés. Avec l'apparition de la digitalisation, que le processus vraiment a pris de l'élan. La nouvelle réglementation mise en place par la Banque centrale, qui a autorisé les établissements émetteurs de monnaie digitale, notamment en leur permettant d'avoir un agrément donné par la Banque centrale, qui a défini le cadre dans lequel ces établissements doivent fonctionner, avec trois objectifs clés, à savoir, un, la protection des consommateurs, le cadre prudentiel et, bien sûr, la lutte contre le blanchiment des capitaux. We have today moving away from a paper office to a paperless office, or paper transactions to paperless transactions, or from cash to cashless transactions, where people can adopt, people can see the ease in conducting banking services or financial services in a way that is seamless, in a way that is stress-free, in a way that they don't have to go into the brick and mortar building to be able to conduct financial services transactions. From the perspective of BESEAL, what strategies do you think banks and maybe regulators need to put in place to succeed in the future? Une adaptation constante de la réglementation, et nous allons même plus loin en intégrant. Nous sommes en train de réfléchir pour intégrer de nouvelles dimensions qui sont des aspects qui vont de plus en plus être présents. Les questions liées à, on a parlé de la blockchain. Nous sommes tous dans une dynamique où nous devons nous adapter à la demande des clients, qui est service de qualité au moindre coût et de manière rapide. Agility is very important. Based on that, set up regulations, monitor them. You are very correct. For instance, that Nigeria has banks that are not just in Nigeria, they're in different parts, different countries in Africa. And what we're trying to do, make sure that the College of Banking Supervisors are really, really alive to their responsibility. As we move, not just in Nigeria, move out of Nigeria to other countries, that we also work and understand the regulation in their country and see how to ensure that in the provision of banking or financial services, we're able to insulate the customers and make sure that they don't lose. Je pense qu'aujourd'hui les banques sont conscientes que les fintechs peuvent faire mieux parce qu'ils ont des plateformes, des applications mobiles, ils recourent de manière plus agile au cloud, alors que les banques sont très réticentes par rapport au cloud. 10 years from now, what will the regulator of the future in 10 years like? What will that regulator look like? What will they be doing? The regulator of the future, next 10 years, I repeat, must remain very, very agile, must be able to live up to the responsibility to make sure that it must do everything possible to protect those consumers. Mais quand on voit nos pays, en particulier Maroc, on voit que les talents partent ailleurs, donc partent au Canada, en France et ailleurs, des centaines et des centaines d'ingénieurs informatiques quittent le Maroc pour améliorer leur situation financière ailleurs. Donc moi je pense que notre principal défi demain, c'est les compétences. On peut se projeter, en tout cas essayer de se projeter, en disant que le secteur bancaire va être encore plus virtuel que nous avons aujourd'hui. Et donc, modernisation, accélération donc de la digitalisation, de la virtualisation.